mesdames, bonjour messieurs, merci de nous rejoindre pour le troisième acte de nos histoires d'Italie autour de Charlotte de Malek qui aujourd'hui va vous présenter une des merveilles italiennes et médiévales, Castel del Monte. Hier, pendant que vous ne m'entendiez pas, je vous remerciais pour tous les messages de sympathie, tout l'enthousiasme communicatif que vous nous transmettez via les commentaires, via le chat, pour tous les nouveaux abonnements que vous nous adressez. Nous avons une centaine de nouveaux abonnés déjà depuis lundi. Pour tous les pouces levés sur lesquels vous cliquez, il y en a de plus en plus. Et également pour tout l'intérêt que vous portez à nos voyages que vous retrouvez sur le site www.verdiervoyage.com. Je me permettais un rapide parallèle aussi pour vous dire que ces conférences, nous avons évidemment grand plaisir à les réaliser et grand plaisir à vous satisfaire, vous tous, de plus en plus nombreux. En même temps, nous n'avons pas une vocation de youtubeurs, mais le cœur de notre mission, le cœur de notre métier, c'est bien de vous faire voyager, voyager à travers l'écran. Pour autant, ces conférences, elles ne sont pas déconnectées de notre réalité, elles sont un reflet de ce que vous trouverez en voyage avec nous, c'est-à-dire des programmes construit pour vous permettre d'embrasser toutes les problématiques, tous les enjeux d'une destination et des programmes qui ont été confiés par mes collègues concepteurs de voyage à des guides accompagnateurs qui ont à cœur de structurer leur discours au cours d'un dialogue avec vous tout au long de vos découvertes et non pas de vous servir un discours banal, stéréotypé, dans le mauvais tourisme de caricature. Donc c'est bien le propos de Charlotte, évidemment, et c'est aussi le propos de tous ces collègues. Donc, nous prenons en quelque sorte la suite de notre histoire d'hier. Nous avions laissé les malheureux Normands de Sicile, avec leur royaume en proie à l'anarchie, être remplacés par un héritier par les femmes. Donc, nous allons faire la connaissance du fils de Constance de Hauteville, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, un homme absolument étonnant qui nous a laissé une pièce de patrimoine tout aussi étonnante. Charlotte, je vous en prie, je crois que vous avez aimé beaucoup ce Castel del Monte. Absolument, Martin. Bonjour à tous. Alors effectivement, dans ma hiérarchie des monuments préférés, Castel del Monte fait partie de mon top 3, je dirais. Donc parmi les bâtiments que je trouve absolument extraordinaires, qui déploie une sorte de magie du lieu qui paraît vraiment incomparable. Alors, petite note personnelle, quand j'accompagne des groupes et que nous nous retrouvons à Castel del Monte, c'est assez amusant de voir la réaction de ces groupes quand on est dans les salles. Il y en a quelques-uns qui tournent très vite et puis qui ressortent parce qu'ils préfèrent le paysage extérieur. Et puis, il y en a généralement à peu près deux tiers qui s'asseyent sur les bancs et on discute. Et on pourrait discuter comme ça des heures, tellement on se sent dans une espèce d'harmonie, hein, dans ce bâtiment. Bâtiment qui est donc une vraie merveille, hein, d'architecture et d'architecture pure, puisque malheureusement il a été très très malmené par le temps. Il a été abandonné assez rapidement, il a servi de prison, il a servi d'étable à foin, il a servi de carrière de pierre, hein, pour un certain nombre des paysans alentours qui venaient se servir pour construire leur bergerie ou leur maison. Bref, il était pratiquement à l'état de ruine quand l'État italien l'a racheté en 1876. Sauf qu'on est juste après l'unification italienne. L'État a fort peu de moyens, donc il va attendre en 1928 pour entreprendre la grande restauration du bâtiment. Grande restauration qui en a fait un pur bijou, qui a restitué son état de pur bijou architectural. Alors, il est très connu à Castel del Monte et en Italie. Hein, il est au patrimoine mondial et il est sur les pièces de 1 cent de la monnaie européenne. Hein, donc, les monnaies italiennes, elles, portent Castel del Monte, ce qui prouve, hein, le côté là encore très important que l'État et que l'Italie accordent à ce joyau, hein, de l'architecture médiévale. Alors, il a été construit donc à partir sans doute de 1240.
par un personnage qui est vraiment quelqu'un qui est aussi étonnant que son château, qui est donc Frédéric II, hein, dont vous parlez, Martin. Et j'aimerais, le Stupor Mundi, j'aimerais un tout petit peu revenir sur la carrière de cet empereur, très très particulière, qui a laissé, là encore, des traces assez impressionnantes. Alors, je reviens sur mon arbre généalogique, et pour vous montrer la filiation avec les rois normands dont nous avons parlé, hier. Vous voyez donc sur la partie gauche de l'arbre, descendant donc de notre Roger II, roi qui est donc mort en 1154, celui qui obtient la couronne pour la Sicile et l'Italie du Sud. Il va donc avoir ses deux fils, son fils, pardon, Guillaume Ier, puis son petit-fils, Guillaume II, celui qui a construit la basilique de Monreale, et enfin, donc le fameux cousin Tancrède et Guillaume III, qui sont les derniers représentants de cette dynastie normande. Ensuite, le trône va passer, après donc plusieurs phases un peu de guerre, quand même. Donc, l'autre côté de la branche issue de Roger II, par Constance, la fameuse Constance de Hauteville, que Guillaume II a mariée à Henri. Henri, qui est empereur germanique, alors à l'époque il n'est que ce qu'on appelle le roi des Romains, c'est-à-dire l'héritier putatif de ce trône impérial. Il est le fils de Frédéric Ier Barberousse, aussi une grande figure de l'histoire médiévale. Et Henri va donc descendre en Italie à plusieurs reprises, revendiquer l'héritage au nom de son épouse Constance, qui a 10 ans de plus que lui, quand même. Hein. Il a 18 ans, elle en a 30 quand il se marie, donc même 12 ans d'écart, et qui va finir par avoir un enfant, au moment d'ailleurs d'une grande transhumance de l'Allemagne jusqu'à l'Italie du Sud. Donc elle s'arrête par un beau jour de 1194, septembre, si mes souvenirs sont bons. Elle s'arrête donc à Iesi, qui se trouve dans les marches, donc plutôt dans l'Italie du Nord, mais sur des territoires qui appartiennent à l'empereur germanique. Et donc son mari va l'obliger à accoucher sur une place de la ville, dans une tente, donc à la vue de toute la population. Autre temps, autre mœurs, ça, quand même. Et voilà notre petit jeune homme, baptisé Frédéric, donc pour évoquer son grand-père germanique, donc va naître comme ça, en plein milieu donc d'une place de ville, et va pousser ses premiers cris devant la population de la ville, rassemblée, sans doute un peu ébahie par le fait. Ensuite, il reprendra, donc sa mère reprendra sa descente vers l'Italie du Sud. Alors, les débuts de Frédéric II sont un peu difficiles. En fait, son père meurt alors qu'il n'a que 3 ans, et il va donc recevoir la couronne de Sicile et d'Italie du Sud à 4 ans. Il est couronné à Palerme. Bien sûr, il y a une régence, mais sa mère Constance va mourir très vite après son père. Il n'a que 4 ans, l'enfant, lorsqu'il devient complètement orphelin. Alors, Constance de Hauteville a fait quelque chose qu'elle a jugé relativement malin et qui était effectivement pas idiot, c'est-à-dire qu'elle a confié la protection, la tutelle de l'enfant au pape. C'était gage d'une protection assurée donc de la part pour ce jeune enfant qui va rester en Italie du Sud, qui va être élevé en Italie du Sud, entouré donc d'un certain nombre de conseillers du pape qui, par ailleurs, va gouverner la Sicile et l'Italie du Sud au nom de l'enfant. En revanche, côté germanique, puisqu'il avait ce double héritage, côté germanique, les électeurs, puisque c'est une monarchie élective, les électeurs allemands vont choisir un autre empereur qui sera considéré comme un anti-empereur par Frédéric II une fois qu'il sera devenu adulte. Alors, que fait Frédéric II pendant ces années? Ben, il est éduqué, et il est extrêmement bien éduqué. Alors, il va recevoir l'éducation d'abord sportive et militaire. Il va être entraîné donc à tous les exercices possibles et imaginables, équestre. Il va être entraîné à la chasse. Il écrira pardon, un manuel de chasse un tout petit peu plus tard, dont vous avez ici une enluminure dans le manuscrit qui est conservé au Vatican. Et qui vous le montre donc installé sur son trône avec sa fameuse couronne et son aigle à côté. Alors aigle qui sert bien sûr pour les chasses éventuellement, puis aigle qui évoque bien sûr l'emblème de l'empereur qu'il revendique donc comme héritage. On sait qu'il a aussi de grands précepteurs dans tous les domaines. Il va parler 6 langues quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement ouvert vers l'extérieur. Alors il parle le sicilien, puisque c'est là qu'il est élevé. Il parle le normand, puisque c'est la langue maternelle. Il parle
l'arabe, puisqu'il est en Sicile et qu'il s'intéresse beaucoup aux autres cultures, hein, rappelez-vous, qui ont peuplé et qui ont formaté littéralement la vie culturelle sicilienne. Il parle le latin et le grec, c'est assez, le latin c'est normal au Moyen Âge. Le grec, c'est déjà un peu plus étonnant. Et puis, il va parler l'allemand, hein, puisqu'il revendique là encore cet héritage paternel. Donc, ça lui permet quand même de lire beaucoup de choses dans différentes langues. Tout n'est pas écrit en latin. On a aussi un certain nombre d'ouvrages en langue vulgaire, comme on dit. Et puis, on sait qu'il s'intéresse aux mathématiques, à l'astronomie, aux arts, à toutes sortes de choses qui prouvent un esprit très curieux, extrêmement ouvert, et qui va garder cette curiosité insatiable tout au long de sa vie. Par ailleurs, qui dit culture dit aussi réflexion. Et il va développer aussi de vraies théories politiques qu'il essaiera de mettre en application plus tard, une fois qu'il aura pu revendiquer donc son héritage. Alors cet héritage, il va le faire en deux temps, le récupérer en deux temps. Premier épisode, il va d'abord se polariser sur il est déjà roi de Sicile, même s'il ne gouverne pas, hein, même déjà encore parvenu à l'âge adulte, le pape a du mal à lâcher les rênes quand même, mais il va commencer par revendiquer son héritage germanique. Donc il monte, hein, dans le nord, si je puis m'exprimer ainsi, et il cherche des soutiens. Il va d'abord trouver un soutien auprès du pape, mais le pape se méfie un peu, donc il demande à Frédéric II de renoncer à sa couronne de Sicile et d'Italie du Sud pour ne devenir que empereur. Frédéric II accepte et lègue sa couronne donc à son fils qui est tout jeune, qui a 3-4 ans, donc dans une sorte là encore de régence, laissée à la papauté. Lui se polarise donc sur l'Allemagne et va trouver un allié de poids avec Philippe Auguste, le roi de France, qui va lui fournir des troupes et créer une coalition avec lui contre son rival en Germanie et le roi d'Angleterre. Ça donnera la fameuse bataille de Bouvines, qui sera une grande victoire et de Philippe Auguste et de Frédéric II, qui peut se réinstaller donc par la suite sur son trône impérial. Alors il fait 3 petits tours, si je puis dire, et puis s'en va. Et il redescend en Italie du Sud, en passant d'ailleurs par ses possessions d'Italie du Nord. Et il ne quittera plus guère, hein, l'Italie du Sud. On ne le reverra pas beaucoup en Allemagne, qu'il gouvernera de loin, par l'intermédiaire aussi de membres de sa famille. Et puis, il revient, je vous le disais, en Italie du Sud. Et là, il rompt sa promesse qu'il a faite auprès du pape et reprend sa couronne de Sicile et d'Italie du Sud. Donc, il dégage son fils, hein, ni plus ni moins. Et il se réinstalle, ce qui provoque la grande colère du pape. Alors, Frédéric II va dire, bon, d'accord, j'ai un peu outrepassé mes droits, mais pour faire bonne mesure, je vais partir en croisade. En croisade pour remercier pour cette couronne impériale, pour remplir le vœu qu'avait fait Frédéric Barberousse, son grand-père, qu'il n'avait pas pu réaliser, et puis pour se faire pardonner auprès du pape. Alors, il promet ça en 1215, en 1216, en 1218, en 1220. Donc, le pape, à un moment donné, trouve que la coupe est pleine et qu'il fait un peu durer le plaisir. Donc, il va l'excommunier, figurez-vous, en 1226, ce qui est une punition très grave, hein, au Moyen-Âge. Et donc, à ce moment-là, Frédéric II se dit qu'il faut vraiment y aller. Et il va donc partir en croisade, excommunié, ce qui est déjà pas banal. Alors, le pape ne va pas décolérer, parce qu'en fait, Frédéric II connaît très très bien la géopolitique de son temps, et il se dit que c'est pas la peine d'aller à Jérusalem avec une armée, puisque le sultan, c'est-à-dire celui qui gouverne, hein, tous les Arabes, tous les musulmans, en fait, à l'époque, se trouve en Égypte. Donc, il trouve bien plus malin de passer par l'Égypte, il va au Caire, et il va rencontrer le sultan là-bas, Muhammad al-Kamil. Ils vont très, très bien s'entendre, hein. Ils vont devenir, parce qu'il était tout aussi cultivé que Frédéric II. Donc, ils vont discuter, ils vont partir en voyage. Il va aller à Jérusalem, mais pas avec une armée, hein, juste pour visiter les lieux saints et pour discuter de nouveau avec les autorités locales. Et donc, il va obtenir de nouveau la tutelle politique sur Jérusalem et un traité avec le sultan qui autorisera le passage de tous les pèlerins chrétiens en terre musulmane du moment qu'ils expliquent qu'ils vont à Jérusalem. Alors, le pape est vraiment foudrage parce qu'en fait, il aurait bien voulu une bonne petite guerre, si je puis m'exprimer ainsi, et celle-ci n'aura pas lieu. Et donc, les pèlerins vont pouvoir aller à peu près en sécurité à Jérusalem à la suite de cet accord. Alors, la suite du règne de Frédéric II va se passer donc
à lutter en fait en permanence contre le pape qui ne cessera de susciter des oppositions contre lui en Germanie, en Italie du Nord, en Italie du Sud. Frédéric tient les clés, c'est vraiment son domaine, où il réside d'ailleurs pratiquement en permanence, entre les Pouilles, qu'il affectionne particulièrement, et la Sicile. Et donc, il va de nouveau être excommunié en 1239, le pape va le déposer en 1245, qu'à cela ne tienne, Frédéric Dieu tient bon, et mourra en 1250, en étant toujours roi d'Italie du Sud, de Sicile, et empereur germanique. Il a aussi passé beaucoup d'années à essayer d'améliorer l'organisation administrative de ces territoires. Il a hérité de celle des Normands, hein, qui était déjà assez développée à l'époque. Et donc, il va créer une véritable administration centralisée. Ses vassaux, ses féodaux, ses conseillers, qui sont des nobles, seront, comment dire, organisé, rabattu au rang de fonctionnaire hein, pour l'administration, et il cantonne son territoire de très nombreux châteaux, soit qu'il construit directement, soit qu'il restaure, il reprend ceux qui avaient été bâtis pardon, par les Normands, et il les restaure. On en a dénombré par les documents que l'on possède. On sait qu'il y en avait 111 dans les Pouilles et en Basilicate, qui est la province actuelle qui est à proximité de la Pouille. 111, c'est quand même beaucoup. Alors, ce ne sont pas que des châteaux forts, même s'ils ont une architecture massive. Ce sont aussi des centres administratifs et des centres de gestion des territoires dans une organisation qui est extrêmement moderne hein, pour l'époque par rapport à tout ce qu'on peut voir ailleurs dans les autres pays européens. Alors, on sait que, par exemple, autour de Castel del Monte, qui se trouve dans le nord de la Pouille, il y en avait une bonne trentaine, hein, ce qui prouve donc une organisation, un maillage très très fin du territoire et donc une préoccupation constante de la part du roi de bien contrôler l'ensemble des territoires et de, en même temps que ça tourne, si je puis m'exprimer ainsi, ça n'est pas une exploitation forcenée, c'est quelque chose qui serait une administration pas forcément toujours bienveillantes, mais au moins qui permettent une sorte d'organisation harmonieuse des choses. Alors, c'est dans le cadre donc de cette construction de château que on va pouvoir parler de Castel del Monte. On a un document officiel qui date du 25 janvier 1240. C'est donc un document qu'on a conservé où le roi va ordonner que l'on prévoie tous les matériaux nécessaires à la construction d'un château près de l'église de Santa Maria del Monte. Alors, on est bien sur un mont, hein, c'est à peine à 300 mètres d'altitude, hein, mais c'est un léger mont qui domine la région alentour. On sait donc qu'il y avait une église à cet emplacement ou à côté, église qui a aujourd'hui complètement disparu. Et on suppose qu'il y avait peut-être un château avant, sans certitude d'ailleurs, hein, parce qu'on a en revanche relativement pas d'informations sur ce qu'il y avait à cet emplacement avant. On n'a pas non plus le nom de l'architecte. Certains pensent à un architecte italien qui s'appelait Riccardo de Lantini et qui a beaucoup travaillé pour le roi dans les différents châteaux construits à cette période-là. Mais la plupart des historiens pensent en fait que c'est vraiment Frédéric II qui en a été l'architecte même, devant le côté assez spectaculaire hein, de ce plan octogonal dont on va reparler dans quelques instants. On n'est en revanche pas complètement sûr qu'il était terminé au moment de la mort de Frédéric II en 1250. Il était certainement en revanche très bien avancé et il sera terminé très rapidement par la suite, si tant est qu'il n'a jamais été. Alors, revenons à ce fameux plan octogonal. C'est quelque chose qui est quand même pas banal, hein, tout est construit en fonction donc de cette forme géométrique particulière. Vous avez un château qui a donc huit pans extérieurs, qui sont d'ailleurs tous pardon, de même mesure. Chaque mur mesure à peu près 10 mètres 50, 10 mètres 30 très exactement. Chaque angle est masqué par une tour, ce qui nous donne donc huit tours, elles-mêmes octogonales. Donc vous voyez qu'on est vraiment parti sur ce chiffre 8
Absolument partout. Et puis, donc, à l'intérieur, on a également une cour qui a la forme d'un octogone. Alors, celui-ci n'est pas régulier, hein. Les côtés n'ont pas tous la même longueur. Ça bouge à 1 mètre à peu près, hein, de différence entre certains côtés un peu plus longs, que les autres. Le diamètre de la cour est de 17,85 m. Donc, vous voyez quelque chose qui n'est pas non plus absolument énorme, mais enfin, qui donne une bonne mesure. Quant au château, les tours sont hautes de 24 mètres, ce qui est là aussi une bonne hauteur, sans que ce soit la hauteur, par exemple, des donjons qui souvent atteignaient 30-35 mètres. Donc, on est un tout petit peu plus bas. En revanche, on a quand même ces 8 tours à la même hauteur. Donc, l'ensemble déjà déploie un plan particulier. Alors, c'est encore plus spectaculaire quand on voit le château, hein, donc de face, de visu, donc au sommet de sa colline quand on s'approche. Regardez un peu, hein, on a vraiment quelque chose qui est en même temps complètement fermé sur lui-même et avec un rythme, hein, qui crée comme un mouvement, comme une rythmique, hein, excusez-moi de cette redite, mais qui crée déjà, interpelle le regard d'une manière assez étonnante. Il y a deux entrées dans ce château. La principale, celle que vous voyez là, est l'entrée qui se situe côté est, donc côté où le soleil se lève. Et vous voyez que c'est vraiment une entrée monumentale. Alors, elle est légèrement en hauteur, ce qui fait qu'elle est précédée d'un escalier donc sur deux côtés avec un perron. Alors l'escalier a été refait au XXe, hein, mais il ne correspond peut-être pas à celui qu'il était au Moyen Âge. Mais là, on n'a pas trop d'images, malheureusement. En revanche, la porte elle-même est quand même très particulière puisque vous avez la porte simple qui a juste une ouverture ogivale. On est en pleine période gothique, hein, on est au XIIIe siècle, donc là, le gothique est fondamentalement arrivé, entouré d'ailleurs de deux colonnes surmontées de lions saillants. Et puis dans la partie supérieure, vous avez un fronton, hein, qui est extrêmement, enfin, qui reprend très très clairement des formes de l'architecture antique. Là encore, au Moyen Âge, c'est pas banal. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est en Italie. En Italie du Sud, on avait beaucoup de restes d'architecture antique, donc c'est peut-être un peu moins original, je dirais, en Italie du Sud que partout ailleurs. Et puis vous avez au-dessus une légère ouverture, donc elle a une forme bien gothique. L'ensemble porte de chaque côté, hein, donc deux arcades très simples. Il ne faut pas imaginer un pont-levis ou quoi que ce soit, ça n'était pas du tout le cas. Hein, c'était une porte simple d'entrée. L'autre entrée, hein, de l'autre côté, côté occidental, est beaucoup plus simple. Comme vous le voyez, on a bien de nouveau un escalier pour y accéder. Elle est légèrement surélevée, mais on a juste un entourage très simple d'une porte qui n'a absolument aucun caractère monumental. Donc déjà, quelque chose d'un peu particulier qui oriente littéralement le château, hein, donc dans cette direction est-ouest qui est très très marquée. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est les ouvertures que l'on a donc dans les murs extérieurs de ce château. On va voir donc sur chaque pan de mur deux ouvertures, une toute simple dans le niveau du rez-de-chaussée, et puis une un peu plus sophistiquée dans le niveau supérieur. Il n'y a qu'un seul niveau, hein, enfin, il n'y a que deux niveaux avec un seul étage, et donc avec un décor d'ailleurs d'inspiration gothique systématiquement. Et puis, il y a des meurtrières. Vous les voyez dans les tours. Alors, vous les voyez, ce n'est pas si évident que ça. Vous voyez, ce sont de très longues fentes, très, très étroites, et qui sont des sources d'éclairage, notamment pour les escaliers qui sont dans certaines de ces tours, ou pour les pièces qui s'y trouvent. Mais vous voyez que c'est là encore extrêmement limité. L'ensemble présente surtout un côté extrêmement massif, hein, presque aveugle, d'autant que les ouvertures dans les murs ne sont généralement pas symétriques. Hein. On n'a pas forcément la fenêtre du dessous qui est bien alignée par rapport à la fenêtre du dessus. Quelque chose d'un peu étonnant, hein, et qui là encore crée une espèce de rythme, anime cette façade qui, par ailleurs, est extrêmement austère, hein, telle que vous pouvez le voir. Alors maintenant, pénétrons à l'intérieur de ce château, et là, on va rentrer dans la cour octogonale, qui est vraiment, alors là, stupéfiante. On est donc devant un mur, là aussi, très, très peu percé, hein, quelques ouvertures. En bas, on a trois portes et quelques oculus, vous voyez, ces fenêtres rondes que l'on aperçoit sur
quelques panneaux. Ensuite, au niveau premier niveau, on va avoir de grandes ouvertures, de grandes fenêtres, qui sont carrément les portes-fenêtres, là aussi sur quelques côtés, 3 exactement, et enfin quelques ouvertures au-dessus. Et là encore, vous voyez que les rythmes varient en fonction de chaque pan de mur. On voit bien que la partie inférieure présente un côté massif, presque comme si c'était un soubassement pour une partie supérieure, hein, qui, elle, est beaucoup plus harmonieuse, porte quelques décors. Regardez ces arcs aveugles, hein, qui, là encore, scandent la surface, hein, des murs, donc un peu partout. Alors, si on prend un détail de cette partie supérieure, on voit donc cette fenêtre qui est, voyez, très décorée, avec une grande ouverture, des petites colonnes de chaque côté, par-dessus une partie cintrée avec de nouveau une ouverture, et je vous le disais tout à l'heure, c'est pratiquement une porte-fenêtre, on est au niveau, hein, donc de la base de ce premier niveau. Alors, on est un peu intrigué, parce que si on passe par la fenêtre, on tombe. Certains historiens imaginent qu'il y avait peut-être une galerie de bois qui faisait le tour de ce premier niveau, qui permettait donc de passer d'une pièce à l'autre par l'intermédiaire de ces portes-fenêtres, ces espèces de portes-fenêtres, et qui évitait donc de faire tout le tour par l'intérieur, puisqu'à l'intérieur, les pièces se communiquent entre elles, il n'y a pas de couloir de circulation. Donc, c'est une suggestion qui a pu être faite qu'il y avait une galerie de bois à l'extérieur. J'avoue n'avoir aucune opinion sur le sujet. Je vous livre cette interprétation qui peut-être pas tout à fait possible, puisqu'on sait qu'il y avait par ailleurs quelques reliefs, vous voyez juste à côté sur le panneau, donc à gauche que celui de la fenêtre, qu'il devait y avoir un relief incrusté, hein, dans ce panneau, qui à ce moment-là aurait été masqué s'il y avait eu cette galerie de bois. Mais c'est une possibilité qui malheureusement ne peut pas être vérifiée. Alors, ce qui est aussi très spectaculaire, c'est la cour quand on la voit de dessus, hein, du niveau. On voit bien la forme octogonale, hein, telle que vous la voyez. Alors, des rayons, on n'a pas d'idée d'ailleurs de la façon dont le pavement était, à quoi ressemblait le pavement de cette cour. On sait surtout qu'il y avait un bassin au centre, qui devait d'ailleurs être de forme octogonale aussi. On a une description au XVIIIe siècle, hein, qui nous en parle. Bassin qui permettait donc de recueillir les eaux de pluie. En fait, juste en dessous, on a une grosse citerne, hein, grosse citerne qui est reliée d'ailleurs à plusieurs citernes qui se trouvent dans les tours et qui permettait donc d'avoir de grosses réserves d'eau. Pauvre preuve là encore que cette recherche d'eau a été conçue dès le départ, puisqu'il a fallu les creuser avant de construire donc le bâtiment lui-même. Ça fait partie des travaux préparatifs de la construction de Castel del Monte. Alors maintenant, entrons dans ce château qui est très austère, qui a perdu beaucoup de sa superbe, je vous le disais au début, mais qui garde là encore un aspect assez particulier. Donc, au rez-de-chaussée, comme au premier niveau, on a 8 salles. 8 salles qui sont donc de forme un peu particulière, parallélépédiques, puisque elles suivent, hein, l'organisation octogonale et donc vont communiquer de l'une à l'autre par une porte et parfois par un oculus, une fenêtre, hein, qui permet de créer des éclairages latéraux, des éclairages indirects, donc d'une pièce à l'autre. Le bâtiment est construit donc en pierre calcaire, ce que vous voyez donc sur la majeure partie donc des salles, et a été décoré ensuite avec un certain nombre d'autres matériaux que l'on évoquera tout à l'heure. La partie basse est assez sombre, normale, elle n'est éclairée finalement que par quelques fenêtres vers l'extérieur du château, ainsi que quelques fenêtres vers la cour intérieure, qui par définition est plus sombre dans sa partie basse, et donc uniquement par ces quelques oculus que vous avez là. La partie supérieure, les pièces de la partie supérieure sont un peu plus raffinées, elles sont d'abord un peu plus hautes, elles sont plus éclairées, la diapositive suivante s'il vous plaît, voilà, un peu plus éclairées grâce aux oculus et grâce aux ouvertures
qui sont plus éclairantes, hein, même dans la cour intérieure. Et puis, elles sont plus raffinées dans certains aspects de leur architecture. Regardez la forme des pierres, hein, qui sont donc ce qu'on appelle un opus reticulatum, c'est-à-dire tressées, il y a des petites pierres carrées qui sont assemblées en forme de losanges les unes d'un côté des autres et qui donnent un motif très très régulier. Et puis, elles ont même des banquettes de marbre insérées au bas des murs qui passent sous les bases des colonnes, hein, qui font partie de la structure même de la pièce. Ce qui est très intéressant, c'est de voir un peu comment sont organisés les dégagements et les structures même architectoniques. Dans les tours, on va trouver donc des escaliers, diapositive suivante s'il vous plaît, avec donc des escaliers à vis, hein, c'est le principe de l'architecture de cette époque-là. On en a en fait deux essentiellement, plus un ou deux de services qui ne sont pratiquement plus accessibles, mais qui permettent donc la circulation des visiteurs du roi, donc dans toute l'ensemble du bâtiment. Et puis les tours qui ne possèdent pas d'escalier à vis sont creusées de petites pièces qui vont porter aussi des voûtes et qui accueillent, alors ça peut être une petite chapelle dans certains endroits, ça peut être des latrines aussi, puisqu'il ne faut pas oublier le côté quotidien quand même des occupants de ce château. Et puis les voûtes elles-mêmes sont intéressantes. C'était un tour de force, hein, de réaliser un voûtement de pierre sur des pièces qui ne sont pas régulières. Alors, les architectes ont travaillé de manière extrêmement habile. Ils ont d'abord créé une voûte, alors c'est une voûte d'arêtes croisées, qu'ils ont masquée par des fausses ogives. Les ogives sont là, en fait, presque pour la décoration. Ce qui tient, hein, le principe de la voûte, c'est ces arêtes que l'on a croisées avec il y a quand même une clé de voûte au centre, donc on est à mi-chemin entre les structures romanes et les structures gothiques, et qui sont portées par les deux grands arcs que vous avez de chaque côté. Ces ogives et ces poussées des arêtes retombent directement sur les chapiteaux des colonnes. Donc, ce sont les colonnes qui portent les voûtes plus que les murs à côté, ce qui a permis de les ouvrir. Est-ce que vous pouvez revenir à la diapo précédente? Deux petites secondes. Et puis, vous avez sur les côtés irréguliers, hein, donc les deux côtés qui sont triangulaires, hein, par rapport au carré central, ils ont fait une voûte en berceau. Donc avec une arête centrale qui est complètement indépendante de la voûte en arête croisée, ce qui fait que ces couvrements sont d'une très très grande stabilité, ce qui prouve la grande habileté des architectes et des ingénieurs sous Frédéric II, puisqu'ils ont été capables d'organiser cette structure en voûtement de manière là vraiment d'une grande maîtrise. Je vous le disais, donc ces arêtes et ces ogives reposent sur les colonnes, hein, donc de chaque côté, ce qui permet donc d'ouvrir des fenêtres. Alors les murs restent très épais, hein, quand même, on a besoin de cette massivité, mais ça permet de dissocier les poussées et de les répartir sur un double support, support des colonnes, qui sont là non seulement pour faire joli, mais surtout donc dans un rôle porteur qui est vraiment important, et en même temps un peu sur le mur bien sûr, puisque on ne peut pas tout faire reposer sur cette colonne encore, mais ça permet d'ouvrir, hein, ce mur et donc d'apporter un éclairage supplémentaire beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante que ce que l'on a pu avoir donc à certaines périodes de l'architecture. Alors quand vous voyez cette fenêtre et quand vous voyez l'ensemble donc des éléments décoratif du château, on se rend compte que Frédéric II a utilisé trois grands matériaux pour le Castel del Monte. Je vous le disais tout à l'heure, la structure même est construite avec des pierres calcaires qui viennent de la région et dont on a vu qu'il avait fait venir des stocks et des stocks pour la construction du château à partir de 1240. Mais les colonnes, les tours de fenêtres et les encadrements de portes sont réalisés dans deux autres grands matériaux qui sont d'une part donc le marbre blanc avec donc notamment toutes les colonnes du premier niveau qui sont faites donc avec ce marbre blanc qui a un peu vieilli d'ailleurs, hein, qui s'est abîmé
donc au cours des siècles et qui maintenant est un peu gris, mais qui a un certain nombre de veines blanches encore. Et vous voyez que ce marbre permettait aussi de souligner les corniches, était celui qui était celui des banquettes des parties supérieures, des niveaux supérieurs. Et puis on a surtout la brèche cornaline. Hein, donc c'est cette pierre rouge qui donc est extrêmement incrustée d'un tas de pierres qui sont des marbres, hein, ça fait partie de la famille des marbres, que l'on trouvait donc dans l'ensemble des États de Frédéric II. Ils viennent d'un certain nombre de carrières, donc en Calabre en particulier, et donc certaines en Sicile aussi. Donc il a fait venir hein, là aussi des pierres de parfois beaucoup plus loin pour le décor de son château. Un certain nombre d'ailleurs malheureusement ont disparu. Les colonnes, on n'a pas pu les enlever, heureusement. Donc ça permet de comprendre donc l'ensemble du décor. Les murs eux-mêmes étaient recouverts de plaquages, très certainement associant, là encore, cette brèche cornaline et ce marbre blanc-gris, hein, donc, qui devait donner un caractère d'une splendeur, d'un grand luxe, hein, vraiment extrêmement marqué. Et ce côté extrêmement raffiné, délicat, on l'a dans toutes sortes de menus détails décoratifs que l'on trouve donc un peu partout. On va l'avoir dans le cordon qui soutient les marches en dessous des escaliers. Regardez un peu la minutie du travail de sculpture pour une partie où, si on lève le nez, on risque de se casser la figure dans l'escalier. Mais voyez, aucun détail n'est laissé au hasard. Vous avez les voûtes qui surplombent les pièces qui sont donc dans ces tourelles, qui portent donc, là encore, ces nervures ogivales, qui sont supportées par des espèces de petits corbeaux sculptés de personnages hein, que l'on aperçoit de loin, personnages accroupis un peu à la façon d'Atlas, hein, qui montrent là encore d'un grand raffinement de décor. Même chose pour toutes les clés de voûte du château, hein, qui sont toutes sculptées, notamment de beaucoup de végétaux. On a des feuilles de figuier, on a des feuilles de laurier, on a des feuilles de vigne. On a tout un tas de motifs, là encore, végétaux, qui sont extrêmement marqués. Et puis, on retrouve là encore des sculptures, parfois de personnages qui sont d'inspiration mythologique, comme cette espèce de faune. Hein, on a l'impression par ces mèches qui ressemblent à des cornes et qui évoquent hein, ces personnages de la mythologie, bien loin normalement de la mentalité médiévale, mais finalement connus grâce à la culture hein, donc de notre roi empereur. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de ce château, vous en avez vu un certain nombre de particularités, il n'a pu manquer de vous intriguer. C'est quand même très très surprenant d'avoir un bâtiment de cette sorte au milieu de nulle part. Hein, vous êtes à 15 km d'Andria, donc au milieu des champs d'oliviers, et donc on est bien en peine en fait d'expliquer à quoi il pouvait servir. Il n'a absolument rien d'un château fort. Alors c'est vrai qu'il a aussi l'aspect massif, mais on ne peut pas tirer de flèches à travers les meurtrières qui sont trop fines. On n'a pas d'entrée protégée comme dans un château fort. Et d'autre part, il n'est pas un emplacement proprement stratégique, il n'est pas sur une route vraiment très empruntée. Bref, il n'avait pas vraiment lieu d'être. En plus, on n'a trouvé aucune structure annexe, pas d'écurie, pas d'étable, pas de cuisine, rien de toutes ces sortes de choses, alors qui ont peut-être disparu, on n'en sait rien, mais on n'en a absolument aucune trace. Ce qui fait dire aussi que ça ne devait pas non plus être une résidence de chasse. Frédéric II adorait la chasse, ça on l'a vu, mais on n'a pas d'écurie, on n'a pas, et puis on ne devait pas avoir de gros gibier. On est dans une zone d'olivier, c'est pas là où il y a le plus gros gibier, donc sans doute pas très intéressant pour la chasse. Donc ce château pose finalement beaucoup de questions et on suppose qu'il y a beaucoup de symboles et beaucoup de symbolismes qui, alors là, sont la marque, hein, à proprement parler, de Frédéric II et de son côté très intellectuel. Quand on le regarde de loin, regardez-le, on ne peut s'empêcher d'imaginer comme une couronne posée sur une colline qui s'aperçoit de très très loin. Et cette couronne fait penser à celle qu'a revêtue donc Frédéric II, c'est la couronne du Saint-Empire. Elle était bien à 8 côtés. Donc peut-être que cette symbolique politique est à mettre en premier parce qu'elle saute aux yeux, littéralement, elle est finalement facile d'appréhension. Deuxième symbolique qu'a recherchée, c'est cette symbolique du chiffre 8, hein, qui est vraiment très très marquée dans ce château. Je reprends le plan et voilà, on voit ces 8 côtés.
Hein, donc, à l'intérieur comme à l'extérieur, ces tours, ces 8 tours à 8 côtés, ces 8 pièces partout, un certain nombre de clés de voûte hein, qui montrent donc ces éléments végétaux dont je vous parlais tout à l'heure, un certain nombre de clés montrent ces végétaux représentés 8 fois. Hein, donc, partout, on va trouver ce chiffre 8. Le bassin intérieur était octogonal très certainement. Bref, quelque chose qui est vraiment très marqué. Or, ce chiffre 8, c'est une forme géométrique qui est très marquée, qui est très symbolique, qui est la transition en fait entre le carré et le cercle. Le carré, c'est le symbole de la Terre, symbole de la Terre tant dans le domaine religieux que dans un certain nombre de domaines philosophiques, tandis que le cercle représente l'infini du ciel, donc l'infini de la spiritualité, du monde divin. Donc cet octogone est la transition entre le carré et le cercle. On a d'autres bâtiments qui déjà avait utilisé l'octogone. D'une part, il y a la chapelle palatine à Aix-la-Chapelle qui date de Charlemagne et qui est un plan octogonal. Donc, peut-être qu'on peut retrouver une symbolique politique. D'autre part, on a aussi le dôme du Rocher à Jérusalem. Or, Frédéric II est allé à Jérusalem, donc peut-être qu'il a vu donc ça, dôme du Rocher ou le Saint-Sépulcre, hein, donc coller cette symbolique religieuse et spirituel donc à ce bâtiment. Et vous voyez que d'ailleurs l'un n'exclut pas l'autre. On peut évoquer une couronne et en même temps une symbolique spirituelle. Il y a aussi manifestement tout un travail astronomique dans ce château, dans la façon dont il est disposé. Je vous le disais tout à l'heure, l'entrée principale est à l'est. Donc on a comme une espèce de travail hein, selon les points cardinaux et selon les moments importants dans les saisons, notamment le passage des équinoxes et des solstices. On sait que notamment à l'équinoxe d'automne, la lumière à midi couvre le château de telle façon que l'ombre recouvre uniquement la cour intérieure. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est quand même extrêmement marqué. Et puis un petit peu plus tard, un mois plus tard, donc dans le courant d'octobre, elle va couvrir donc tout l'ensemble des pièces du château jusqu'au mur extérieur. Donc quelque chose là encore qui est très 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 mesuré de manière extrêmement stricte. Deux fois par an, le 8 avril, le 8 octobre, vous voyez on est de nouveau sur le chiffre 8, et le mois d'octobre à l'époque de Frédéric II, c'est le 8e mois de l'année, on a un rayon de soleil qui passe donc par une des fenêtres du château, dans le mur sud-est, vous voyez donc c'est le rayon qui part en bas à gauche et qui va aller traverser et arriver, taper sur la cour, dans la cour, sur le fameux relief dont je vous parlais tout à l'heure, incrusté dans le mur. Donc il y a tout un jeu lié au soleil hein, qui en fait là encore un château extrêmement intéressant, comme une sorte de livre de pierre hein, où ce serait le soleil, l'architecte en quelque sorte. Alors, on sait là encore que Frédéric II avait une très très grande connaissance en termes d'astronomie et d'astrologie, donc quelque chose qui peut là aussi être intéressant de souligner. Enfin, et je trouve que cette symbolique est aussi très très importante et très intéressante, quand on est dans la cour intérieure et quand on la regarde hein, vers le haut, on a l'impression d'être au fond d'un puits, comme avec une lumière hein, qui nous attire vers le haut, donc dans une sorte d'aspiration verticale. Or, ce côté puits, ce côté aspiration vers la lumière, c'est aussi donc un fort symbolisme médiéval, c'était la représentation de la connaissance. L'idée donc qu'à ce moment-là, ce château serait une sorte de temple du savoir, où on aurait pu se consacrer à la science, aux discussions, sans être dérangé, puisque il n'y a rien alentour. Donc, pas de réponse possible hein, aux interrogations que donne ce château. Hein, ce château, j'ai préféré une vue aérienne hein, pour terminer cet exposé. Donc, avec cette forme là encore incomparable de l'octogone qui ne cesse de surprendre, mais ce château qui ne cesse là encore de poser des interrogations. Et je trouve que Frédéric II, à travers les siècles, finalement, réussit à encore plus faire parler de lui. Et c'est le cas avec les réactions des gens
que l'on observe dans ce château, donc à plus de 800 ans, à presque 900 ans d'intervalle, donc réussit à faire encore parler de lui par l'interrogation, les interrogations permanentes que suscite ce bâtiment qui, au-delà de tout, peut se laisser admirer uniquement par l'harmonie de ses intérieurs et l'harmonie, pardon, de ses volumes. Merci Charlotte pour cette présentation de Castel del Monte qui vous passionne et qui anime chez nos internautes énormément de débats, de questions. Il y a une pluie de questions. Je me permets d'y aller, hein, de mon couplet rapide par rapport à cette symbolique du 8 dans la chrétienté. Donc pour les catholiques, le huitième jour est en outre le jour de la résurrection. C'est Absolument. aussi pour ça que la couronne du Saint-Empire est une couronne octogonale. Donc nous enregistrons une pluie de questions aujourd'hui, c'est très bien, puisque comme en voyage, c'est le dialogue qui, je le disais en introduction, qui permet d'alimenter la découverte comme nous la concevons chez Verdier Voyage. Donc dans un ordre aléatoire, disons, je vais vous interroger, quand l'église attenante au moment de la construction a-t-elle été détruite et pour quelles raisons? Alors, on ne sait pas exactement. On a, en fait, la seule mention, c'est dans ce document de 1240 de cette église, dont on n'a par ailleurs pas de trace. Donc, elle devait exister encore au moment du début de la construction. Après, combien de temps elle est restée? Malheureusement, je suis dans l'incapacité de vous répondre, puisqu'on n'a pas d'autres documents qui la citent. Autre question, les seigneurs étaient-ils propriétaires d'un domaine agricole réservé aux alentours? Donc, est-ce qu'il y a des seigneuries au milieu de toutes les Alors, il y autres? avait un, oui, il y avait un certain nombre de domaines qui étaient alentours, mais cette partie-là appartenait en propre, donc au domaine royal, sachant que toutes les terres tenues hein, par les seigneurs étaient, comment dire, surveillées quand même assez étroitement par des systèmes d'impôts, etc., etc., donc par le pouvoir royal de Frédéric II, qui de ce côté-là était beaucoup plus structuré que le système féodal que l'on avait en France, par exemple, à cette époque-là. Et par ailleurs, vous avez mentionné, Charlotte, qu'il n'y avait pas d'écurie, et un internaute nous demande où se trouvaient les communs. Eh ben, on ne sait pas. Justement, ça fait partie, donc, les écuries, les communs, etc. On ne sait pas. On ne sait même pas s'il y en a eu de construits, en fait. Forcément, il devait y en avoir. Mais là encore, on n'a pas de traces. Alors, c'est lié aussi à la période d'abandon. Puisqu'après Frédéric II, donc, ses héritiers, on pense, hein, ont pu l'utiliser de temps à autre pour certaines cérémonies, certaines réceptions, entre guillemets. On a quelques notions de ça. Et puis ensuite, le château a été vendu bien plus tard, dans le courant du XVe siècle, à une famille. Et donc, cette famille, il ne l'a que très, très peu utilisée. Donc, vous voyez que la période d'abandon, en fait, remonte hein, déjà à une période très, très ancienne. Donc, si commun il y avait, et il devait y en avoir, ils étaient de toute façon construits de manière beaucoup plus sobre, beaucoup moins sophistiquée en termes d'architecture, peut-être même dans des techniques un peu plus périssables. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas laissé beaucoup de traces. Vous avez vu qu'on est sur un rocher affleurant, donc on n'a pas de fondation, donc on peut pas imaginer de creuser le sol. Il n'y a pas, c'est le rocher. Une autre question vient de nous arriver. Peut-on supposer qu'il y avait des manuscrits conservés à Castel del Monte? Qu'est-ce que l'on sait de la bibliothèque, en d'autres termes? Alors, on peut très bien le supposer, ou au moins que ça aurait été prévu. Mais d'une part, on n'a aucune trace d'un mobilier, puisque la même chose à la période d'abandon est trop ancienne. Ça, à mon sens, c'est quelque chose qui était tout à fait plausible, hein, connaissant le personnage de Frédéric II, connaissant donc les différentes possibilités d'utilisation de ce château, ça aurait été tout à fait logique et cohérent, sachant que Frédéric II avait une bibliothèque relativement achalandée, comme on dit, d'un certain nombre de manuscrits. Mais bien sûr, c'est une hypothèse. Ça, on pourra malheureusement, rarement, on ne pourra pas le vérifier, sauf à découvrir de nouveaux documents au fond de bibliothèque, ce qui est encore possible. Autre question, les paysages actuels, les paysages de Ligier donc, ressemblent-ils à ceux qui entouraient le château au XIIIe siècle?
Alors, on sait qu'il y avait déjà beaucoup d'oliviers, donc ça devait être un paysage assez proche. Alors, sans doute un peu plus mixte, c'est-à-dire que là, maintenant, l'olivier est vraiment de la monoculture, pratiquement. À l'époque, il devait y avoir quand même un certain nombre de champs avec des cultures vivrières pour les populations paysannes autour, ainsi que pour les domaines seigneuriaux. Mais la culture de l'olivier dans les Pouilles, et en particulier dans cette zone-là, est très, très ancienne. On l'avait déjà dans l'Antiquité, donc il n'y a pas de raison que ça ait changé. Hein, donc c'était relativement proche de ce que c'est aujourd'hui. Très bien, merci Charlotte. Et par ailleurs, nous sommes interrogés pour savoir comment se passe la succession de Frédéric II. Je me permets, avant de vous laisser la parole, de remettre dans le contexte cette succession. Donc Frédéric II, personnalité hors norme, personnalité même hors de son temps. On vous l'avait évoqué à travers cette croisade qu'on a appelée, les historiens appellent la croisade diplomatique, personnalité d'aucuns ne pouvaient pas comprendre. Donc, Frédéric II est au cœur de ce qu'on appelait le conflit entre le sacerdoce et l'Empire. Donc, il ne faut pas oublier que le pape est un chef d'État, et un chef d'État avec un temporel, donc des États, des possessions très importantes, à cause de ce que nous appelons la fausse donation de Constantin, qui lui a donné le Latium et plus encore. Et somme toute, le pape qui ne désarme pas, enfin les papes qui ne vont pas cesser de désarmer face à l'Empire, ne veulent surtout pas se retrouver avec des personnalités aussi fortes que celles de Frédéric II pour l'avenir. Donc, bon, les héritiers de Frédéric II vont connaître des fins assez pitoyables, pour faire très simple. Et surtout, derrière, l'Empire va se retrouver affaibli. On va le donner un petit seigneur de rien du tout, le titre impérial, un petit Habsbourg, possesseur de deux fois rien aux confins du Tyrol autrichien actuellement et de la Suisse. D'ailleurs, c'est en Suisse. Donc, il n'y a pas de véritable héritier de Frédéric II, par-delà la généalogie. Absolument, il n'y a pas de toute façon, il a donc un fils qui ne va pas rester très très longtemps, il va mourir relativement rapidement, et donc un fils illégitime qui va revendiquer l'héritage d'Italie du Sud, et le pape dont vous parliez et qui donc justement veut limiter hein, le pouvoir de ces personnages-là, va donc déléguer en Italie du Sud, proposer donc à un des frères de Saint-Louis de lutter hein, contre celui qu'il appelle l'usurpateur et qui est ce Manfred, un fameux fils illégitime. Et donc Charles, comte d'Anjou, frère de Saint-Louis, va descendre à la demande du pape et donc récupérer, prendre possession de ce royaume qui lui est donné littéralement par le pape, sachant que le pape a bon espoir de pouvoir à ce moment-là contrôler cette dynastie qui va être la dynastie angevine. Alors vous le savez, vous l'avez évoqué hier, ça ne se passera pas forcément très très bien. L'Italie du Sud va rester aux mains des Angevins, mais la Sicile va se rebeller, fera ses fameuses vêpres siciliennes et donc appellera les Aragonais, hein, qui donc vont y avoir une période où la Sicile et l'Italie du Sud seront séparées pendant 2 siècles avant de récupérer une unité sous les Aragonais bien plus tard. Je vais céder à ma tentation des mauvais jeux de mots par rapport au prénom de ces papes et en prenant un mot de Saint-Just. Oui, ça termine mal pour un certain nombre de souverains et donc on ne règne pas innocemment en ces temps-là. La dernière question, Charlotte, c'est un internaute nous demande si vous accompagnez des voyages en Italie. Je me permets de répondre, notamment pour ce qui concerne l'année 2021. Enfin, vous avez déjà accompagné en Italie en 2020, vous avez déjà accompagné un de nos groupes dans les Pouilles, vous leur avez déjà fait visiter Castel del Monte et vous allez récidiver en 2021. Nous avons également des voyages spéciaux, des voyages nouveaux que nous vous confions. Un qui sera un voyage archéologique en Campanie, où nous visiterons notamment Paestum à vos côtés, Paestum que l'on visite également dans ce voyage Pouille, mais dans ce voyage nouveau, nous irons à Paestum, nous irons à Herculanum, nous irons à Pompéi, donc guidés par vous, et parmi les autres nouveautés de l'année 2021 qui vous sont confiées, nous allons travailler sur un voyage sur une thématique médiévale en Italie, donc Toscane, Ombrie, avec des sites connus, moins connus, je pense, nous en parlions encore tout à l'heure, Charlotte, à San Antimo, une petite merveille romane, aux confins de la Toscane et pas loin de Canciano. Mais par ailleurs, nous vous retrouvons également sur des voyages
donc des voyages en France aussi. Enfin, il n'y a pas que l'Italie, quand bien même vous la chantez merveilleusement bien. À tout le moins, nous ne vous abandonnons pas. Donc, même si votre contribution à ce cycle italien s'achève aujourd'hui, demain, c'est un autre invité que nous retrouvons. Et quant à vous, Charlotte, nous aurons l'occasion de vous croiser. La technique ne vous met pas vraiment en valeur parce que l'image est petite et vous avez des voyageurs qui ne vous reconnaissent pas sur le terrain, mais c'est bien vous. Il n'y a qu'une Charlotte de Mallet. Vous avez apprécié son talent et vous l'apprécierez encore demain sur le terrain. Merci à tous pour votre attention, pour vos questions, pour tous les signes et les messages très sympathiques que vous nous envoyez. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Nous irons cette fois-ci, nous remontons vers le nord de l'Italie. Nous allons retrouver les papes. Nous allons à Rome, à la chapelle Sixtine, en compagnie de Pascal Bonafoux, historien de l'art et ancien pensionnaire de la Villa Médicis. À bientôt, Charlotte, et À bonne bientôt. journée. Merci à tous. Merci, au revoir.